Bonjour, on est de retour aujourd'hui. Première vidéo du calendrier de l'Avent des plantes médicinales. Aujourd'hui, on parle du soulier zombie. Oui, ça va peut-être faire une redondance parce qu'on en a déjà parlé. Mais aujourd'hui, on est concis, on y va. C'est tout de suite, maintenant, c'est parti, le soulier zombie. De son nom scientifique, Scutellaria purpurascens. En tout cas, je vous l'écris là. Voilà. De son nom, les zombies, pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autres noms, en tout cas le définissant. Il est d'origine d'Amérique centrale, ok. Donc, on le retrouve souvent aux Antilles. C'est une plante, je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est une plante ras-le-sol, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça ne va pas plus haut, ça reste vraiment ras-le-sol et ça se multiplie comme ça. Particularité pour la reconnaître, vous voyez, elle se tache de violet et ses fleurs aussi sont des petites fleurs violettes. Ensuite, le mot soulier zombie. Donc comme vous pouvez le voir, elle se reconnaît aussi cette plante par le fait que ça forme comme des petits souliers. Donc c'est là où vous avez les graines, comme des petits souliers ici. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça fait un petit soulier. Et le nom zombie, c'est par rapport à ses propriétés, entre guillemets, magiques. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le soulier zombie. Donc, comme vous voyez, ça fait des petites feuilles. Et c'est surtout, les deux peuvent être utilisés, la partie aérienne, mais aussi les racines. On voit ça tout de suite. En ce qui concerne la partie aérienne, bien sûr, donc on parle des feuilles. Vous pouvez utiliser le soulier zombie pour tout ce qui est les affections respiratoires, donc l'asthme, les troubles de bronches, la toux, etc. C'est aussi un calmant au niveau de la nervosité. Donc si vous êtes quelqu'un qui est nerveux, ça peut être intéressant de l'utiliser dans vos tisanes. Ça s'utilise aussi pour la femme, c'est le meilleur ami de la femme, parce que pour tout ce qui est, vous savez, le syndrome prémenstruel, donc les seins gonflés, l'irritation, les choses comme ça, ça aide énormément et ça aide aussi au niveau de la ménopause. Donc tout ce qui est les bouffées de chaleur, comme on l'a dit, les seins endoloris et tous ces petits symptômes qui viennent un peu déranger dans la vie quotidienne, le soulier zombie est à avoir sous la main. Ensuite, pour les personnes par exemple qui ont une forme de dépendance ou alors les personnes qui ont une fatigue chronique due par exemple à des maladies ou alors à une fatigue nerveuse également, c'est aussi bon de l'utiliser en infusion. Il est aussi bon pour les maux d'oreille, il est bon aussi pour tout ce qui est l'hépatite, enfin c'est un protecteur hépatique, donc c'est bon pour le foie et aussi pour les reins. Ensuite, si on passe à la racine elle aussi est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle est le meilleur ami de l'homme. Donc si vous avez des problèmes au niveau de la prostate, donc c'est bon pour la prostate, pour aussi si vous avez un cancer de la prostate et que vous êtes en phase de rémission alors que vous allez faire de la chimio, c'est bon aussi pour vous remettre en fait, pour les cellules, pour diminuer en fait les cellules cancérigènes. Donc le soulier zombie, c'est bon pour la femme mais aussi pour l'homme. Et j'en oubliais le plus important pour nous mesdames, si vous avez des crampes prémenstruelles ou alors comme je disais un syndrome prémenstruel très fort, donc avec des vous savez quand vous vous sentez un peu énervé etc, et que vous savez que vous allez avoir des règles douloureuses, vous pouvez en prendre avant et pendant aussi pour éviter les crampes, cette espèce de sensation de coup de poing en fait dans le bas ventre. Alors maintenant comment on l'utilise au niveau des parties aériennes, donc comme je vous ai montré, je vais vous montrer ça tout de suite. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, une petite poignée. Vous pouvez le mélanger avec d'autres plantes. Il n'y a pas de souci. Vous prenez une petite poignée comme ça. Vous pouvez aller jusqu'à 4 plantes. Ok. Donc vous prenez une petite poignée comme ça, à peu près entre 10 et 20 grammes. Et puis vous faites ça infuser dans 1 litre d'eau. De toute façon, je vous marquerai tout ça en description. Et pour la racine, vous prenez la racine et vous faites sécher la racine. Et ensuite, vous pouvez soit l'utiliser en infusion, soit la faire macérer dans du rhum. Voilà. Alors, si vous voulez avoir du soulier zombie dans votre jardin, c'est possible. Faites attention d'avoir un sol qui est quand même bien drainé. Pas besoin d'être trop riche. Une exposition au soleil lui plaira, ou alors mi-ombre, ça fonctionne aussi. Il aime bien être en dessous d'autres arbres, en tout cas. Il va faire de plus grosses feuilles. Donc, c'est sûr que s'il est en plein soleil, les feuilles sont un petit peu plus petites et il sera un petit peu plus parsemé. Par contre, s'il est sous d'autres arbres, il a un peu plus d'ombre, les feuilles seront un tout petit peu plus grosses. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. Donc, voilà. Par exemple,
une petite astuce. Si vous avez un jardin et que vous n'aimez pas désherber, en fait, vous pouvez utiliser par exemple le soulier zombie pour venir recouvrir des espaces de votre jardin au lieu de tout le temps arracher des mauvaises herbes. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce comme ça que je vous donne, comme ça, voilà. Voilà, bon ben on a fini, on a fait le tour sous les zombies, on fait ça rapide, on va droit au but, vous savez déjà, je vous mets toutes les explications, les descriptions, les choses comme ça en barre de description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un petit pouce, on se retrouve demain pour une nouvelle plante et puis bye bye.